Alors, je dis que la soirée sera plutôt pour vous lever le panel, un peu de panel, donc vous m'excusez. Et je sens que vous avez assez de force, pour bien sûr ce qui va se passer. Et pour ce premier panel, le thème c'est innovation, made in Togo et développement. Et ce panel sera modéré par le chargé d'organisation de ce événement, monsieur Dola Denis, qui nous prie d'accueillir ici. Merci. Alors, la composition du panel même est conçue. Nous avons M. Lucia Poli, bébé, très dynamique. Nous avons M. Séti Afani. Ça sent du goût. On a trop mangé. Oh ouais. Est-ce que Accra est là? Adressi Accra. On peut faire un peu de Posi. Posi. Posi, c'est quoi? Est-ce qu'il y a des Accra? Oui. On peut faire un peu de Posi. Alors, on va s'aider d'abord, tout le panel, et puis on va faire un peu de pause juste pour reposer ce que nous avons mangé, bien dans les intestins, et ouvrir le cerveau. Et le troisième intervenant sur ce panel s'appelle Monsieur Adrien Poli Notre. Alors, on va lancer ce premier panel qui se passera sur le thème innovation, médico et développement. Monsieur Denis, vous avez la parole. Bonsoir tout le monde. Avant de commencer, on va faire une mise au point. Je vais demander tout à l'heure qu'on mette une chaise devant et la personne qui va vouloir prendre le premier signe ce soir, qui va essayer de s'entourer, va venir s'asseoir sur la chaise. Donc si vous ne voulez pas venir vous asseoir devant les gens et s'entourer, je vous prie de prêter attention. Ce panel qui s'intitule les récentes innovations mais toujours pour le développement. Est-ce que innovation rime avec développement? C'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse. Mais ensemble, nous allons essayer de voir comment est-ce qu'on peut parler innovation et développement. Et je suis heureux d'avoir des jeunes entrepreneurs, des jeunes visionnaires qui font des choses extraordinaires dans leur communauté et qui vont partager avec nous ce soir leur point de vue, comment est-ce qu'ils vont arriver, comment est-ce qu'ils arrivent à se surpasser et à donner le meilleur. Et la première question qui sera adressée à nos panélistes, elle sera, premièrement, de s'introduire, ensuite de nous dire ce qu'ils font et quelle est l'innovation et l'impact de ce qu'ils font dans la communauté. Donc je ne vais pas trop parler. Vous allez remarquer que je suis un peu timide. Souvent, je suis timide quand il y a beaucoup de femmes. Je suis timide devant les femmes en fait. Hein? Quand les femmes ont les jeux,
motivation et l'impact de ce qu'on fait. Donc, tu dis, la parole est la pointe. Qui a le micro dans le micro? Qui a le pouvoir dans le pouvoir? Pour la parole, la parole, la parole, le pouvoir. Alors, on appelle la dernière fois l'enfant. On va définir comme un conseiller. Ce que je refuse totalement. Je m'appelle Adam Pénotron, je suis de vous étonner, je me définis comme aventurier. Parce que quand je devais raconter tout ce que je fais dans la vie, j'avais pas me. Ça ne tient pas sur le cadre de l'église. Donc pour le résumer de tout, je me dis aventurier. Bon, en fait, je vais quand même essayer de vous lister. Je suis bébéiste, je fais de la bande dessinée pour ceux qui ne savent pas. Je fais des livres en rond. Je fais des animations, animées par la dessin animé. Je suis directeur de Ago Media, c'est une société de communication, de la communication digitale. Nous faisons tout ce que j'ai déjà cité. Et récemment, nous sommes lancés dans le documentaire, nous sommes lancés dans l'événementiel. Donc vous voyez, il y a déjà une minute, et c'est pas encore fini. C'est pour ça que je dis, je suis aventuré. Voilà. Donc, je passe le micro. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Moi je suis Siti Afanou. De formation, je suis développeur d'application, expert certifié en développement ouvrier par Google. Je suis entrepreneur et consultant d'un incubateur au Congo Brazzaville. Je fais des formations et côté communautaire, je suis co-organisateur de Google Développement. Et aussi membre de quelques petites communautés ici au Togo. En plus, j'ai certifié international. Voilà un peu ce que je fais. Bien sûr, je suis Togo. Quand c'est une petite communauté, on a eu la chance, on a dû batailler pour qu'il soit ici. Parce qu'il a souvent 4 dans les 4 dans l'avion. Donc, pour dire, vous avez la parole. Merci. Donc moi c'est Lucia Sombo Fandoré. Je ressemble un peu aux photographes qu'il y avait tout à l'heure, mais il n'y a pas de rapport. Ouais, à part qu'on a un peu la même tête. Donc je suis Lucia Sombo Fandoré. Formation, je fais l'environnement, je sais faire l'énergie renouvelable. Et je suis ce qu'on appelle aujourd'hui un maker. Comme Adrien, je ne saurais pas vous dire exactement ce que je fais. La façon la plus simple de vous le dire, c'est que j'amène vos idées à la vie, vos projets. Vous voulez fabriquer de la technologie, je peux vous aider à concrétiser cela. Donc, après, on va revenir plus tard quand on va dire ce que nous faisons, que vous comprendrez mieux pourquoi c'est le design. Merci. Donc, quand vous avez le football, est-ce que vous, déjà, vous pouvez continuer par parler de ce que vous faites réellement et l'innovation que vous apportez, l'impact? Donc, ce que je fais, comme je le disais, j'accompagne les entrepreneurs, les gens qui ont des idées dans le développement et dans l'acquisition de compétences techniques et pratiques. Donc, aujourd'hui, vous pouvez trouver des ingénieurs, des gens qui ont fait des signes, qui ont fait des grandes écoles, mais qui n'ont pas forcément les connaissances pratiques, les connaissances, etc. J'ai déjà eu à voir les ingénieurs qui ne connaissaient pas la vie que Dieu fait, qui a reçu des projets ici devant moi. Et avec nous, ce que nous faisons, c'est d'amener ces personnes-là pour les mettre en frontière des défis de réalisation. Donc, c'est une communauté, c'est une initiative sociale qui s'appelle le Collège là pour écologie et technologie de la nature. Donc, laboratoire pour l'énergie et la technologie. Et c'est un makerspace. Donc c'est un espace où il y a des outils et où il y a aussi des personnes, des gens qui accompagnent d'autres, qui veulent utiliser ces outils et les compétences qui sont là-bas, qui sont là-bas pour fabriquer des choses. Vous voulez fabriquer la télé, vous voulez fabriquer un robot, vous avez besoin d'une imprimante 3D, donc vous fabriquez tout ça. Je ne sais pas si qui connaît le mot là ici. Jamais entendu parler. Mola. Ok, Mola. Voilà. Il y a quelques personnes ici qui connaissent le MOLAB. Le MOLAB, c'est un bail
qui est comme un laboratoire ambulant qui va dans le village et qui fait du youth empowerment, l'autonomisation des jeunes à travers l'estime, à travers la science, la technologie, l'art, l'ingénierie, les mathématiques. Et cherchez sur Internet, vous allez voir ce que c'est. Nous avons réalisé le moulin. Au début, c'était juste un van. Il n'y avait rien à l'intérieur. Vous voyez les bus de 15 places que vous pouvez voir à la Paris et autres. C'était comme ça, mais il n'y avait pas de chaise, c'était bien à l'intérieur. Mais aujourd'hui, on a retrouvé, on a pris les palettes et on a fait des jeux. C'est vraiment joli. Il y a un panneau, il y a des panneaux solaires sur le toit, le bus est alimenté, on va dans le village et on fait des activités aussi avec les élèves. Quand vous résumez, j'accompagne les gens qui ont des idées de fabriquer quelque chose à prendre ces idées-là concrètes et à avoir le goût. Et je fais aussi du youth, encore à travers le projet voilà, où je fais des ateliers avec des enfants, des gens du collège, du lycée, pour qu'ils puissent déjà s'intéresser à tout ce qui est science, maths et autres. Et pour aller à la seconde partie du question, quel est l'impact que nous apportons? L'impact déjà, c'est quand on parle d'économiser une personne, d'améliorer cette personne, avoir l'autonomie sur le plan technique, comme nous le faisons, c'est surtout d'amener les jeunes à arriver encore. Il y a quelques mois, j'étais à l'extérieur, je disais, regardez, j'ai conduit des gens qui sont de ce continent, que nous n'aurions plus. La jeunesse que vous laissez pas plus. On est un peu découragé parce que, je ne sais pas si c'est le système ou c'est l'éducation, mais en tout cas, il y a tout un truc en place qui fait qu'on est convaincu qu'on ne peut rien apporter à cette société. Si je vous demande aujourd'hui qui peut faire un robot qui va aider la maman à nettoyer sa chambre, est-ce que direct quelqu'un peut me répondre oui? Ce n'est pas évident. Vous voyez? Alors que normalement on doit avoir l'attitude, on doit avoir cette attitude-là, à pouvoir dire oui, ma maman a besoin d'une solution pour pouvoir nettoyer facilement la maison. Je veux me lancer, je veux prendre ce défi-là à cœur et réaliser cela. Et donc nous, notre impact, c'est d'amener la jeunesse à rêver encore, à penser des solutions pour nos communautés. Parce qu'on leur met des outils à leur disposition, des imprimantes 3D, des technologies pour du prototypage rapide, et notre connaissance à nous. Qu'on n'a pas eu en faisant de grandes universités. Moi, toutes mes études, je les ai faites plutôt pour ici. Mais tout ce que je fais ici, les imprimantes 3D, je l'ai appris dans le monde quotidien. Et je pense que tout jeune peut faire ça. Donc moi, mon impact, c'est que tous mes jeunes puissent avoir cette confiance en eux, que ce soit des garçons ou des filles, qu'ils aient cette confiance en eux et qu'ils puissent apporter des solutions. Je ne pourrais pas aller à ta parole apporter des solutions en ce qui concerne l'intuition de portable. Mais si jamais un jeune a s'intéressé à comment fabriquer ce genre de solution, apporter ce genre de solution, c'est une manière pour moi d'impacter la communauté de la parole à travers ce jeune-là. Donc c'est un peu ce que je faisais. D'accord, merci beaucoup. Alors, je veux vous poser une question. Quand vous parlez de prototypage, quels sont les outils que vous pouvez faire? Est-ce que vous ne pouvez pas, un homme bizarre, vous dites n'importe quoi, est-ce que vous pouvez appeler une arme? Non, c'est une question banale. Je pourrais dire, est-ce que vous pouvez appeler une arme? Quoi? J'imagine qu'il y a peut-être des gens qui sont dans la restauration, vous allez penser à un nouveau design de fourchette que vous voulez tester. Vous n'avez pas besoin de faire signer quelqu'un en Chine pour vous amener l'échantillon. Parce que ça va déjà, ça va prendre de 3 mois à 1 mois pour avoir besoin de mon avion. Moi-même, imprimant 3D, on vous modélise ça, vous voyez, vous voyez si ça répond, vous testez, si ça répond. On peut imprimer, il y a un robot. N'hésitez pas à taper sur mon nom dans Google. Et ajouter BBC, il y a eu récemment un reportage de la BBC avec qui j'étais en train de manipuler un robot pour l'ancien imprimé avec un imprimant 3D qui, je dois aussi dire, a été fait à base de. En recyclant les équipements étrangers, les équipements électriques usagés. Ce n'est pas la première fois que je fais cela, mais ça, c'est très bien. Et donc, on peut faire tout ça, on peut faire des robots, et si cette team me le permet, il va vous parler tout ça de cette petite boîte. Donc, comme on accompagne tout, on est ouvert, on travaille aussi avec d'autres organisations. Donc, le ticket de
beaucoup plus large dans ce type dont vous parlez. Il nous a aussi fait appel pour les aider à réaliser ça. Donc ils ont fait la maquette et ils nous ont envoyé, donc on a mobilisé. Et donc cette boîte que vous voyez là, ce qui est en plastique que je tiens, ce qui est blanc, ce qui est gris, le couvert, sont imprimés à écouter. Et avec toutes les
des modalités d'accès qu'on peut donner au public pour pouvoir accéder à ces genres de ressources. Donc nous, avec Kikiritel, on a travaillé sur un projet serveur et un projet client. Donc là, ce que vous avez ici, c'est le projet même serveur. Donc la crédit virtuelle est là. Vous avez un circuit électronique qui est à l'intérieur, qui sert de serveur pour notre projet. Et ce circuit sert aussi de serveur d'hébergement des ressources. Donc c'est comme la salle, la bibliothèque même qui est ici. Et les livres dont nous avons besoin pour les intégrants à l'intérieur. C'est pas comme quand les livres nous ouvrent le boîtier, mais à l'intérieur. D'accord? Donc nous avons travaillé sur une plateforme qui est déjà à l'intérieur, qui permet aux propriétaires, aux responsables des écoles, aux professeurs par exemple, via leur compte de déposer les supports du cours, les supports pédagogiques et nous-mêmes, en collaboration avec les organismes qui travaillent dans le domaine de l'éducation, de déployer les ressources éducatives sur cette plateforme. Donc nous avons des anciennes écoles, des annales et des œuvres numérisées ou numériques qui sont déjà hébergées là-dessus. Donc l'élève qui veut utiliser cette bibliothèque, il a besoin de quoi? Il a juste besoin de son téléphone portable ou de son ordinateur, s'il en a. Lorsque la bibliothèque est branchée, automatiquement un réseau Wi-Fi est créé et il a des élèves qui sont dans l'établissement qui dira le réseau, qui se connectent automatiquement dessus. Et il s'inscrit s'il n'a pas de compte. Une fois inscrit, il peut télécharger une application Android qui est hébergée à l'intérieur, qui lui permet d'avoir accès aux ressources en mode offline. Donc, s'il est dit que s'il consulte un support là maintenant, en étant dans l'établissement, après, s'il repart à la maison, il peut toujours accéder à ses ressources via l'application. Donc, voilà grosso modo ce qu'on fait avec. Quels sont réellement les avantages de cette bibliothèque virtuelle? Je peux dire que c'est beaucoup plus sur la préservation, d'accord, des ressources éducatives, des livres, des romans. Vous savez, si vous mettez un roman dans une bibliothèque, au bout d'un an, deux ans, si vous voyez un peu son état, c'est plus pareil. Mais une œuvre qui est numérisée, ça reste toujours intact, que ça soit bien. Donc du coup, on s'est dit, ok, si c'est plutôt plus propre de le faire comme ça, pourquoi ne pas accéder dans ce domaine? Et aussi, nous avons aussi un gain en temps, au lieu de se déplacer pour aller dans une bibliothèque, faire la recherche, etc., directement via une application, vous écrivez ce que vous cherchez, ça vous sort ça automatiquement, dès que selon vous avez accès à la ressource en question. Et nous avons aussi un profit en gain en fait, en dépense. Pour avoir une bibliothèque normale, il faut construire une salle, d'accord? Il faut faire des tiroirs, etc. Et il faut aussi acquérir les livres en physique qui sont très peu chers. Donc, et après, si même un établissement coté veut utiliser vos livres, vous ne pouvez pas déplacer vos livres pour aller dans leur bibliothèque. Mais ici, si nous avons déjà les ressources qui sont numérisées, on peut copier et dupliquer dans n'importe quelle école sans souci. Il suffit juste de déployer une bibliothèque virtuelle dans l'établissement. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Félicitations encore. Maintenant, moi, j'ai deux petites questions. La première, quelle est la portée du Wi-Fi de cet appareil? Et la seconde question, c'est est-ce que vous pouvez raccorder un fil internet ou bien est-ce que ceci peut être connecté à l'internet et que l'élève, depuis sa maison, s'il est connecté à internet, puisse avoir accès à la plateforme ou bien à l'interface du téléphone? Merci pour la question. Là, actuellement, le projet en expérimentation au lycée Folie Bélier de Canicopé et là, c'est
laquelle nous sommes en train de travailler, ce n'est pas la version actuelle qui est à PVB. Ça, on a construit là une collaboration avec Ecotech Lab. Donc, avec cette version, normalement, la portée du Wi-Fi peut aller jusqu'à 100 mètres. Oui. Mais initialement, la version qui est déployée actuellement à PVB, ça tourne seulement 30 mètres de rayon. Ouais. Merci beaucoup pour la question. Oui, la seule question, si cela peut être connecté à un réseau de l'Église, à l'intermédiaire. Actuellement, la connexion internet, c'est seulement possible pour nous, administrateurs du projet. Donc, si on a besoin de faire des déploiements et de faire des sauvegardes, nous pouvons nous-mêmes connecter la bibliothèque, puisque si cette bibliothèque est déployée quelque part à Caracas, par exemple, et on doit déployer, faire le lac des ressources. Parce que le problème aussi, c'est que vous allez à Carac, vous allez voir, il y a des élèves qui disposent des ressources, ils ont des égouts, des trucs, et qui s'utilisent là-bas pour travailler. Mais que, franchement, les étudiants, les élèves qui sont ici à l'OMI n'ont pas accès aux mêmes ressources. Les ressources sont un peu différentes. Et vous allez voir après, il y a des gens qui sont mieux en physique dans une zone donnée. Pourquoi? Parce qu'ils ont un accès à des ressources qui sont beaucoup plus consistantes en physique, par exemple. Donc, on s'est dit, c'est de la même manière qu'on peut récupérer des ressources qui sont intéressantes dans une zone du pays et les dupliquer dans une autre zone où il y a le manque de ces genres de ressources. Donc, c'est beaucoup plus accessible à nous, la connexion Internet, mais l'élève a forcément besoin d'avoir accès. À un établissement qui dispose de la bibliothèque que tu as pour pouvoir accéder aux ressources. Merci beaucoup. Nous allons donner la parole à votre troisième panéliste. Et pour les questions. Notre champ. Voilà. Bon, on va dépenser la parole. Donc, parlez-nous un peu de ce que vous faites et quel est l'impact pour vous. Voilà. D'abord, je vais commencer. Pourquoi on est bien ici le même panel avec la France Challenge? Technologie, Wi-Fi. Bon, bref, anyway. Alors, monsieur, je vous entends, je l'ai dit, tellement les casquettes, que ma seule petite tête va suffire à toutes les portées. Mais voilà, je vais peut-être rapidement vous parler d'innovation, peut-être aussi rapidement parler de ce que je fais, de comment est-ce que ma société, mon entreprise a un peu évolué. Parce que là, ma vie est faite d'innovation. Innovation quotidienne, réfléchir à comment améliorer les choses que je vais donner. Je vais essayer de résoudre dans le processus par rapport à ça. Alors, d'abord, ma première innovation, ça a été d'abandonner ma première profession. Parce qu'on parle de développement, en fait. On parle de passion et de développement. Et mon premier travail ne me permettait pas vraiment d'être développé. Ouais, quand on développe dans un laboratoire, 8 heures par jour, 6 jours par semaine, et que vous êtes là à faire une alerte. Moi, j'ai dans ça, tous les liquides biologiques et inflation. J'ai été, comment ça s'appelle, ingénieur laboratoire, vous êtes en formation. Donc là, vous imaginez en blouse blanche derrière le microscope, ça a été ma première profession pendant 4 ans. Mais il a fallu que je me développe. Et comme l'entreprise est commencé vraiment à se développer, voilà, donc j'ai laissé tomber cette profession pour vraiment me mettre à fond dans le. Dans un média. Dans un média, vraiment, au départ, on voulait ressembler à ce que j'ai droit en Marvel. C'est parti de là. Vous, je sais que vous connaissez tous Marvel, il y a une vague de films de super-héros à ce que c'est. Donc, on voulait au départ, il y a 10 ans, on avait créé, on voulait ressembler à cela. Mais le constat à faire, c'était que le public togolais n'était pas prêt à l'époque. Nous, on a lancé. Le super-héros, il y a 10 ans, on est rentré dans le lion. On a fait un échec effroyable. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils l'ont fait. On va faire ça. En 2008, je suis sûr que vous n'aurez jamais fait ça. C'est parce que maintenant, les films sont multipliés, c'est rentré dans la culture populaire qu'aujourd'hui, tout le monde accepte. Mais à l'époque, on l'a sorti, les premiers super-héros congolais sont sortis en 2008, en juin 2008, dans notre maison d'édition. Ça a été un échec total. Il a fallu penser à autre chose. Comment intéresser le Togolais aux bandes dessinées? Il a fallu redéfinir d'abord qui sont les héros
quels sont leurs quotidiens. Il faut que cela ressemble beaucoup plus au quotidien du vécu du problème. Et si au-delà de ça, on n'a pas envie de raconter le quotidien du problème, on pourrait raconter ce qui s'est passé au Togo il y a certaines années. Ce qui fait que nous travaillons avec des archéologues, nous travaillons avec des historiens, nous travaillons tout ce qu'on voulait, pour assurer. Nous travaillons avec des médecins, etc. Ça nous arrive aussi, c'est un peu bizarre, mais bon. Et ce qui fait que nous retranscrivons tout ce que, tout ce qui a comme connaissance, tout ce qui a comme histoire à raconter chez ces scientifiques, nous les mettons en bande dessinée. Ce qui fait que la bande dessinée, ce n'est plus du divertissement. Mais c'est un divertissement utile. Vous lisez votre bande dessinée, vous apprenez des choses. Vous lisez votre bande dessinée, vous apprenez ce qui s'est passé au Togo en 1700 et quelques. Bon, on parle de développement, on parle d'abord. L'enfant qui a envie de lire une livre qui coûte 4000 francs n'a pas les moyens de s'acheter une livre à 4000. Qui c'est qui a les moyens d'acheter? C'est ses parents. Il faudrait que le parent se dise. Quelle est la raison qui me pousse à acheter une bande dessinée de 4000 francs à mon enfant? Ça veut dire que, quand il ouvre la bande dessinée sur lui, c'est une BD historique, c'est une BD scientifique, c'est une BD qui parle de la géologie, etc. Lui, là, vous avez une bonne raison par an de débourser 4000, des fois 5000 francs pour acheter une bande dessinée à son enfant. Donc, le but, c'est de jouer avec le moyen des gens. C'est de. Comme je dis beaucoup, dans le monde de l'investissement. C'est comme par exemple Black Panther. Pourquoi est-ce que Black Panther a aussi bien marché? Parce qu'on vous a montré à la télé des Africains qui portaient beaucoup, d'abord, ça vous intéresse, qui parlent Yoruba. C'est un film américain, on parle Yoruba, mais par contre, on parle du beau, on parle de ce que vous voulez. Il y a des gens qui portent des habits bordés, oui, on se reconnaît dans ça. Et boum, le film a tellement marché en Afrique, c'est le seul film Marvel qui a autant marché en Afrique. Donc c'est ça, je vais le faire. Donc, c'est ainsi que plus tard, si nous sommes mis à intéresser les gens pour vos travaux que nous faisons. Je vais essayer, comme je suis en train de vous dire, si vous avez plaisir, c'est fini. Je sais. Je vais peut-être finir en parlant de notre dernier projet sur lequel nous continuons de travailler. L'un des attaques majeures quand vous faites le livre, c'est que quand les livres sont physiques, ils sont durs à transporter. Les livres, parce que ça coûte cher, ça pèse. Et ce qui fait que les livres coûtent cher, c'est qu'à l'impression, ça coûte 3-4 fois plus que la conception. Et quand vous imprimez les livres, ça pèse énormément. L'un des moyens de rendre les livres plus accessibles, sans avoir, imaginez que vous avez un livre avec vous, que vous prenez un ami au portable. Et vous voulez que cet ami la lise votre livre, si le livre est physique, vous le lisez aussi. Et ça prend toutes les semaines. Et moi, si vous avez de la chance, ça, il ne l'aura jamais si vous n'avez pas de la chance. Mais quand le livre est électronique, la personne l'aura dans les secondes, dans les minutes. Si la connexion n'est pas bonne, elle est dans les heures dessus. Donc, ce que nous faisons, pour que ce que tout le monde ait accès à notre bibliothèque, à nous, si nous avons une bibliothèque aussi, c'est que nous vendons toutes nos bandes dessinées interactives et numériques. Qu'est-ce que j'appelle interactives? Les livres physiques, vous les ouvrez, les images sont fixes, vous les ouvrez. Mais les bandes dessinées interactives, c'est comme des applications. C'est des applications que vous déjà sur votre portable, sur votre tablette ou sur votre PC. Et vous interagissez avec les images, elles sont plus fixes. Si vous voulez agrandir une image, vous souvenez facilement. Et il y a même des fois des petits jeux qui sont intégrés dans chaque image. Par exemple, si il y a une image où quelqu'un enlève une casquette, sur une bande dessinée fixe, en physique, c'est juste une image. Vous avez l'opportunité de faire en sorte que un enfant qui lit une bande dessinée puisse peut-être cliquer avec son papa, cliquer d'ailleurs, toucher juste la casquette sur le plan et la casquette tombe dans la tête de la personne. Voilà. Donc il y a une énorme possibilité que vous pouvez faire quand vous faites des livres interactifs et numériques. Ce qui fait que vous gagnez en coût, vous ne payez plus de 3 millions d'imprimeurs,
vous payez plein de villageois à 1000 euros, il faut parvenir, et du coup le livre devient moins cher. Et ensuite, c'est que vous pouvez l'envoyer et le faire acheter par n'importe qui dans le monde. Voilà. Merci. J'ai comme l'impression que ça ne prend pas aussi comme vous voulez. Et ceci me pousse à poser la question, quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés et quelles sont vos perspectives d'avenir? Bon, il y a des choses que tu as dit intéressantes, ça ne prend pas comme il le faut. Pourquoi? Parce qu'il y a d'abord la vie sur temps. Il faut que le Congolais accepte la bande dessinée. Ça en fait. Et ce n'est pas un problème pour l'intérieur, c'est un problème mondial. Je suis un WF de l'Université. Et même, pareil que même aux États-Unis, ils ont le même problème. Donc, c'est pas uniquement un problème de l'Université. Donc, il a d'abord fallu éduquer le Congolais à accepter la bande dessinée, à accepter le bien-être de la bande dessinée. Maintenant, le prochain challenge, c'est accepter, éduquer l'être Congolais à accepter lire une bande dessinée sur son portable. Parce que, à 80%, c'est vrai que je n'ai pas fait les statistiques, mais à 80%, quand nous donnons nos portables, c'est pas pour faire Facebook, WhatsApp, Viber, ça ne marche plus. Et tout s'envoyer des photos, des vidéos. Des fois, vous serez connu de beaucoup de gens qui ont une vidéo sur le portable, Seigneur. Au lieu de faire ce genre de vidéo, déjà, des lumières, tu vois. Au moins, ça va faire une entreprise, ça va faire une entreprise. Voilà, elle va payer ses employés. Voilà, parce que le principal défi, c'est ça. Éduquer le Togolais à réfléchir à utiliser son portable, à faire autre chose que WhatsApp et Facebook. Voilà, merci beaucoup. Je voudrais dire qu'on prête toute la soirée à nous, en tant que vous nous parlez. Mais nous avons donné l'opportunité, la chance à ce public qui a en soi. De savoir plus ce que vous faites pour poser deux, trois questions à chacun parce que le temps est déjà avant nous. Aux panélistes, vous pouvez les désigner ou bien plutôt de loin si ça les touche directement. Donc, oui, madame. Merci. Je remercie M. Poli. Je dois prendre ton aide, je dois t'envoyer des mots là. Je dois prendre ton aide. En vous écoutant, je vous regardais passionnément.
n'arrives pas à trouver des solutions. D'abord, tu poses le problème avec ton conjoint, lui commence par te dire que tu tombes pas, comme ça, c'est mon problème. Merci. Okay.
Donc, merci beaucoup pour cette précision. Je veux avec eux continuer, je veux avec eux les gens posent des questions et que le panéliste répond. Vous allez les voir juste à la fin, je vous en prie. Donc, merci beaucoup à vos participants. Merci à vous.